Shaman. This is Mr. Johnny, come the king of Jinnah. No, ah, давай, original Igwa. Yes, I. Dongo tito kebutu ngakaka na yo. Bonjour, je suis Gaëlle Kibis de Sang du Bled et là pour me retrouver dans Fun Plus. Et aujourd'hui je suis avec Original Igwa. Pourquoi Original? Bon, la chaman, les sentiers de comme The King of Jungle, you know. Ah, what? D'abord, Original Igwa. Yes, I. Je suis trop original. En fait, pourquoi original? Original, c'est d'abord un esprit. Et dans cet esprit, il y a la volonté, la détermination, surtout la distinction qui me pousse à faire les choses pas comme les autres. Avec originalité. Alors, dis-moi, comment définis-tu ton style de musique? Mon style de musique, je peux dire que c'est assez calme, un peu brutal. Et on retrouve l'émotion. On retrouve le rap. C'est un mixage de styles et de différentes voix que j'appelle le riche. Boom, la chaman, this is Mr. Johnny, come the king of Jinnah, you know. Ah, ouah, давай, original Igwa. Yes, I. Alright, donc original, ça vient de ton style de musique. Donc c'est comme si t'as rajouté ton style de musique à ton pseudo. Voilà. Ok, là je comprends mieux. Alors dis-moi, comment t'es venue l'idée de ton cover avec Color? Je sais pas chanter, mais. En vrai, c'est les gens qui m'ont poussé à faire ce projet. Ah ouais? Et parmi ces gens, il y a des artistes. J'ai reçu des messages, des tags sur Instagram, des messages en PV, des artistes qui m'écrivaient, écoute, tu ressembles à ces garçons. Et vous avez le même gestuel, vous avez. Voilà, alors j'ai dit, ok, je vais écouter de près l'artiste, Oxlade. Et quand Fun Plus m'a contacté pour le projet Color Plus, dont je suis l'ambassadeur, alors, on a mis le projet. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors dis-moi, tu t'attendais à ce buzz? Tu t'attendais à ce que ton cover puisse avoir autant de succès? Ou tu disais, bah, je m'amuse? Comment je vais m'amuser? C'est clair que je m'attendais à ce que. Mais ça, ce n'est que le début d'ailleurs. Ce n'est que le début parce que je m'attends à plus que ça. On a vu Oxlade. Je pense qu'il a réagi sur le cover de cette chanson que tu as refait là. Comment tu t'es senti? Tu t'es senti spécial? Je ça me suis t'a senti motivé validé, encore une fois de plus, par une grande star. Ça c'est bien. Ok, on a vu Rebo, Samarino, Zozo Machine, Poisson Mobutu, Macao, Nickel et tous les autres réagir à ta performance. T'as apprécié leur geste? Je ne peux plus préciser, c'est un grand geste et premièrement je dirais d'abord merci encore pour m'avoir donné la force, avoir validé encore. Mais il y a eu beaucoup de stars qui ont apporté leur soutien, même si on n'a pas cité, on n'a pas partagé, mais même en PV, ouais, en c'est prix. Vrai. Donc j'ai juste j'en remercie tout le monde. En fait. J'ai sélectionné certains. J'allais te poser une question assez drôle. J'ai bien remarqué que tu n'es jamais en pantalon, tu mets toujours des culottes. Est-ce que tu as un problème avec les pantalons ou Non, je crois que j'ai un problème avec le caleçon. Je mets pas de caleçon en fait. Là, c'était juste parce que voilà, c'était le kit, c'était le scénario. C'était le moment où je devais manger.
Attends, j'ai pas compris ta réponse. Normalement, je mange. Mais là, j'étais en caleçon parce que c'était l'été. Ah, t'as un problème avec ça, mais t'étais. Parce que c'était le scénario. Oh. Ok. Alors, à quand le prochain projet? Le prochain projet, on est en train de travailler dessus avec l'équipe. Mmh. Avant la fin de l'année, je crois qu'on va lancer un truc. Très lourd. Super. Ça sera pas un cover. Ça sera original. Et quoi? Okay. Et qu'est-ce que. On doit s'attendre à quoi en fait? Bien sûr, il faut s'attendre à l'émotion, le chat, la voix. Alors, c'était Original et quoi et Gaël Kibis de son du bled dans Fun Plus. On se revoit prochainement avec une autre surprise. Au revoir. Au revoir.